Alors, est-ce que tu te souviens quelle sauce qu'on a préparée tout à l'heure? Chimichurri. Chimichurri. Alors, chimichurri, sauce argentine. Oui. Avec du piment oiseau. Moi, je relève. Piment, ouais, piment oiseau, ah oui. Du vinaigre de vin rouge. Ah oui. Voyons. C'est relevé. Ouh, dis donc. Ah oui, oui. Ça te plaît, Maya? Ah, j'aime beaucoup. Jean-Seb, je t'ai gardé la moitié d'une bavette. Ah, ça envoie quand même. Ah, ça envoie, hein. Ah non, oui. Regarde, regarde. Ça envoie du. C'est relevé, hein. Tiens, regarde. Ouh, je t'ai ramené la planche carrément. C'est hot, hot. Alors, c'est relevé, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Maya? Toi, je sais que t'aimes bien relevé comme ça, toi. Surtout, ta viande est excellente. Tiens, hein. Et la viande est simplement donc vraiment grillée de chaque côté. Et c'est vrai que cette marinade argentine, moi, je trouve que ça donne du peps à la viande. C'est bon, ça te plaît aussi? C'est délicieux. C'est sympa. Vous pouvez faire ça avec le barbecue. C'est fort. Alors après, tu peux gérer plus ou moins le piment. Oui, là, elle n'a pas géré, là. J'ai pas géré. Je me suis un peu emballée. Je sais que Maya aime bien pimenter. Je me dis, allez hop, on prend. Toi aussi, t'aimes bien. Non, mais c'est vrai. Depuis maintenant, tu es pour la tête. Écoute, voilà, c'est un coup de foudre pour la Jean-Seb. C'est comme de les bronzer. Jean-Seb qui a le palais. Oh, mais non, mais pas à ce point-là. Jean-Seb, toi qui as un fin palais. Voilà. C'est bon, hein? C'est pas si fort. Non, c'est très bon. Non, ah, bon, bah, super. Toi, évidemment. Bon, écoutez, ça me fait plaisir de vous avoir régalé. Pour le barbecue cet été, c'est top. Bon, ah oui. Alors, astuce. Astuce avec un reste de courgette. Tu te souviens? De courgette. Oh, bah, alors, Thomas, on va réviser nos classiques. Le cœur, alors, le cœur de la courgette. Eh bien, écoutez, je l'ai simplement râpé et je vais réaliser. Le gâteau? Eh ouais, Maya, le gâteau, un gâteau au chocolat. Sans matière grasse ajoutée, puisque la courgette va remplacer le beurre. Génial, et c'est génial. Ça rend les gâteaux hyper moelleux. Donc, alors attendez, en deux temps, trois mouvements, comment on fait? On ajoute donc sucre. On prend la base d'un gâteau classique. Sucre, farine, jusque-là, on te levure. Jusque-là, tu me suis. Un œuf, bien entendu. D'accord. Voilà. On mélange le tout. On ajoute. Tiens. Chocolat tu peux me verser le chocolat fondu ou tu vas mettre 2 heures? Ça. Non, tu vas mettre 2 heures. C'est pas la peine, on va laisser tomber, peut-être 3 heures. Je parie que t'as jamais fait gâteau au chocolat. Bon, on est rationné sur le chocolat Oui, alors en fait, les proportions sont pas plus. Il y a Jean-Seb qui est passé par là ou quoi? Bah, écoute, Jean-Seb, je sais pas ce que t'as foutu, mais c'est pas ce que t'as fait. J'avais bon, 5 plaquettes alors... de chocolat, Jean-Sébastien. Eh, écoute, merci de le faire ce gâteau parce que voilà. J'ai voulu le réaliser il y a quelques jours. Oui. Je n'avais pas la bonne recette. Tu n'avais pas la bonne recette, mais je vais te la filer. Un de plus. Je te la file en coulisses. Non, mais par contre, tu nous dois une photo d'un gâteau que tu as fait d'anniversaire pour ton fils. Un très joli gâteau. Extraordinaire. Donc j'attends la photo. On ajoute, hop là, la courgette, donc râpée. On obtient une pâte qu'on va bien belle sûr pâte, hein. Verser. Bien chocolatée. Bien chocolatée, qu'on va verser dans des moules à muffins et on va faire cuire à 180 degrés. Pendant 25 minutes et on obtient, regardez, je vais le mettre ici, des gâteaux extrêmement moelleux. C'est ça, Maya. Ils sont assez aériens, ces gâteaux. À toi l'honneur. Ensuite, victoire. Sans beurre et pratiquement sans chocolat. Très bon. Tiens, regarde. Encore? Bah attends. Ça gironde pas non plus. Un petit morceau. Oh, bah voilà. T'as pas le droit. Bravo, Clarina. C'est pas mal, hein, comme astuce. On remercie aussi Hélène et Alice en coulisses. Hein. Bravo aussi. Pour aider à réaliser toutes ces petites astuces. Elles sont top. Oh, pauvre Gérard. Ah, mais attends, Gérard, toi, c'était les deux gâteaux. Tu vas bien. Viens avec nous, avec tes gâteaux. Merci, Marina.